Et hey yo les potes, c'est Juste Gaming, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo très particulière les potes. Une petite vidéo, comme vous avez pu le voir au titre de la miniature, on va parler du coup d'un battle entre Aquaman et Black Manta. Donc pour ceux qui savent pas, Aquaman et Black Manta, c'est des personnages de DC Comics. Donc on va parler justement qui vont faire un combat. Donc avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager à tous vos potes et à vous abonner. Et n'oubliez pas le petit code créateur Juste Gaming, ça me ferait énormément plaisir les gars dans la boutique. Pour le soutien, il y a de gros. On essaye de faire une vidéo par jour, donc n'hésitez pas les gars dans l'espace commentaire à me soutenir, ça me ferait énormément plaisir. Donc les gars, du coup, on va parler du coup du petit combat entre Aquaman et Black Manta, parce que du coup, le skin Aquaman arrive jeudi dans la jeudi du coup grâce au défi d'Aquaman. Il y aura une vidéo du coup des défis d'Aquaman, comment réussir, comment débloquer Aquaman, les gars, je vous montrerai tout ça et aussi une vidéo. Parce qu'il y a Black Manta aussi qui sort du coup jeudi prochain à 16h. Du coup, Black Manta est l'ennemi juré d'Aquaman, pour ceux qui savent pas. Voilà, c'est son ennemi. Du coup, c'est officiel. Black Manta sort le 16 juillet dans la boutique. Moi, je crois que c'est ça, le 16 juillet dans la boutique à 16h. Donc voilà, donc pour ceux qui vont l'acheter, les gars, n'hésitez pas à mettre le petit code créateur JeuGaming dans la boutique. Ça ferait énormément et ça ferait énormément plaisir, les potes. Donc, je vais vous montrer pourquoi. Il y aurait un combat justement avec Black Manta et Aquaman. Parce que regardez, du coup, on va descendre. Vous voyez, là sur la map, il y a un gros tourbillon. Et tout le monde se dit, ouais, mais il y a quoi autour du tourbillon? Est-ce qu'il va y avoir une prochaine île ou quoi? Du coup, on descend. On descend. Et voilà. Là, on voit clair. Voilà, on voit. Là, on voit. Voilà. Là, on voit clair. Là, voilà. Là, on voit trouble. Et là, on voit clair. Voilà. Donc là, ici, comme vous pouvez le voir, du coup, là, on a du coup le requin. Tout ce qui est le requin, voilà. Et là, on voit du coup, on voit un gros, gros, gros trou de terre. Donc pour le moment, il n'y a pas de coffre ou quoi que ce soit. Donc peut-être qu'il y aura des coffres par là, des coffres par ici, des coffres un peu partout. Peut-être des coffres sur le rocher là, sur le petit rocher là aussi. Donc voilà. Donc pour le moment, comme vous pouvez le voir, c'est au niveau du coup là de l'avion là. Du coup, ça part de là jusqu'à au bord de Sweetie. Regardez, c'est vraiment. Je vous montre. Hein. C'est vraiment le bord de Sweetie Sand. Et jusqu'au requin là-bas. Donc vous avez un énorme trou ici. Et tout le monde dit que du coup, ici, ça va être l'île d'Aquaman. Ça va vraiment être l'île d'Aquaman. Donc peut-être que ça va être découvert du coup dans les prochains jours. Parce que le niveau de l'eau est très proche. Du coup, voilà. Tout le monde dit que ça va être l'île d'Aquaman. Parce que pourquoi il y aurait un gros trou comme ça ici? Un grand vortex. On se demande bien pourquoi. Et peut-être que c'est Aquaman du coup qui a créé ce vortex là. Du coup, donc on sait pas exactement le truc qui a en fait qui se passe. Du coup, peut-être que c'est Aquaman qui a créé le vortex. Ça, c'est son île. Il va y avoir un combat ici entre Aquaman et Black Manta. On suppose peut-être un combat parce que quand vous regardez, du coup, on va monter. Voilà. Quand vous regardez le requin, voilà. L'île du requin, vous voyez, c'est tout cassé. Donc peut-être que du coup, il y a déjà eu un combat entre Black Manta et Aquaman, où c'est juste l'eau qui a cassé du coup ça. Peut-être qu'il y a eu un combat entre du coup les deux personnages par rapport à l'île qui est juste là du coup. Vu que c'est supposé être l'île d'Aquaman, un combat qui aurait eu juste là. Donc on verra, on verra comment ça va se passer. Donc dites-moi les gars, si vous voulez qu'il y ait un événement justement avec Aquaman et Black Manta, un genre de combat. Pas directement dans le jeu, mais qu'on ait par exemple dans une prochaine mise à jour une petite image du comment par rapport à ce combat. Bon, franchement, j'aimerais bien voir qu'est-ce qui se passe, etc. Peut-être des changements sur la map, des. Comment on appelle ça? Des catastrophes, des maps détruits, des endroits détruits sur la map, etc. Donc voilà. Donc n'hésitez pas du coup, les gars, à liker cette vidéo-là. C'est un petit concept que moi je me dis qu'il y aura peut-être un combat entre Aquaman et Black Manta. Du coup, voilà. Du coup, les potes, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Du coup, la vidéo défi de Black Man de Aquaman, je vous la sortirai mercredi soir. Justement, comme ça, jeudi, si je suis pas là pour. Jeudi, sur je serai sûrement en live pour les défis d'Aquaman aussi et pour acheter Black Manta dans la boutique avec le petit code créateur JGaming. Ça ferait un plaisir. Dites-moi, les gars, s'il y a des personnes, voilà, dites-moi s'il y a des personnes encore sur cette vidéo qui vont acheter. Black Manta avec le code créateur JGaming. Vous marquez Black Manta plus JGaming. Dans les commentaires, vous marquez ça ou je vais acheter le skin Black Manta avec ton code et ça me ferait énormément plaisir et je verrai
les gens qui l'achèteront avec mon petit code créateur, ça me ferait énormément plaisir. Du coup, les potes, sur ce, je vous dis ciao ciao. Je vous dis à une prochaine vidéo, un prochain live. Merci à vous, les boys, et on se retrouve très bientôt. Merci à vous, les boys. Ciao ciao.